Hi, good evening. Oh, good afternoon. Nice. I know, I know. I don't see anyone anymore. Um, too much light. OK. So this presentation is supposed to be in English. I've been giving it in English for um, the past year. And all my presentation and talks are in English. But I'm going to try to do it in French. And um, if I see not going well, because that would be my first time, and there's a lot of word I don't know, uh, I'll go back to English. Um, so, bonjour, uh, je m'appelle uh, Philippe Levicki. Uh, je vais vous parler aujourd'hui de un processus ou méthode que l'on a créé avec notre expérience dans la réalité uh, mixte pour uh, créer des interfaces et des processus d'expérience utilisateur uh, en trois dimensions. Donc, uh, je suis le captain d'une compagnie qui s'appelle After Now. Et nous sommes basés à Los Angeles. On crée des contenus en réalité augmentée, en réalité mixte, uniquement. On ne fait pas de VR, on ne fait que de la réalité augmentée. Et euh, on est partenaire Microsoft, donc on fait partie du programme euh, des partenaires, qui est euh, qui est d'ailleurs un très bon programme. Si vous faites travailler les hololens, je vous conseille d'appliquer à ce programme. Euh, je vais vous parler donc un petit peu de certains projets qu'on a faits pour vous donner un peu de contexte. De la technologie qu'on utilise. Donc, on a fait un outil de collaboration pour le Hyperloop Transportation Technology. Ces trains en tube qui vont très vite. Et ils avaient besoin d'un outil pour collaborer. Donc, on a créé ça avec les HoloLens qui leur permet de mieux communiquer à travers leurs différents continents. On a aussi fait un outil pour les réalisateurs de films, créer et composer leurs leur, leur scènes. On a créé un outil qui est une présentation de réalité augmentée avec les HoloLens. C'est un peu comme PowerPoint, mais pour euh, créer des présentations que vous pouvez voir sur, euh, en trois dimensions. Euh, on a créé aussi, une, et je vous en parlerai plus dans la présentation, on a créé aussi quelque chose qui s'appelle la VRLA, Mixed Reality History Hunt. Euh, ça, c'est une installation qu'on a faite euh, avec Microsoft à une expo à Los Angeles où on avait fait un grand set et on avait permis aux gens de rentrer dedans avec des HoloLens, c'était quelque chose de, de très ludique, et ce qui est rare avec les HoloLens. Donc je vais en parler un peu plus de comment on a créé cette plateforme. Donc avec tous ces projets, on a toujours une même euh, vision, c'est de mélanger le monde réel avec le monde virtuel. Euh, les technologies de réalité mixte ont cette euh, possibilité aujourd'hui. De faire cette, euh, cette fusion entre les deux univers dans lesquels on est. Euh, on sait là qu'il y a une tendance qui se passe en ce moment et on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un produit qui va venir et qui va complètement transformer la façon dont on interagit avec les machines. Euh, on a la réalité virtuelle, on a les HoloLens, on a d'autres appareils comme les HoloLens avec Magic Leap et tous ces outils. Ils sont encore primitifs, ce n'est pas le produit final encore qui va vraiment euh, être adopté par tout le monde, mais c'est des outils qui nous permettent déjà de comprendre où on va et de commencer à comprendre comment on va créer ces interfaces et redéfinir le langage qu'on a avec les machines. Et un des principes qu'on a découvert en travaillant beaucoup avec les HoloLens, c'est que le futur du travail, quand on va travailler dans le futur, on travaillera debout. Euh, la, le temps qu'on a passé à être assis sur notre bureau avec nos laptops courbés euh, toute la journée euh, va être un truc du passé. Euh, Aujourd'hui, les hololens sont utilisés beaucoup euh, dans les field workers, les gens qui travaillent euh, sur les euh, euh, physiquement avec leurs mains et euh, la plupart du temps ils travaillent debout aussi. Donc euh, il est très possible que les travail de bureau qu'on faisait avant, assis, maintenant on va les faire dans le futur debout. Et en, quand on base sur ce concept et cette pensée, euh, on peut maintenant mieux définir euh, comment on va réintégrer les interfaces qu'on utilise en 2D aujourd'hui plates, comment on va les faire apparaître dans notre monde physique et interagir avec elles. Euh, L'autre clé importante, c'est Six Degree Freedom. Euh, je ne vais pas détailler, si vous voulez savoir exactement ce que c'est, vous pouvez venir me voir après. Mais le concept, le concept simple, c'est que ça mélange le réel, le réel et le virtuel. C'est-à-dire qu'on est dans un espace où les deux sont euh, similaires. OK. Euh, un des process, donc je vais aller à travers les différentes étapes de notre processus qu'on a créé. La première partie, c'est euh, Envisioning and Design Sprint. Euh, donc on a mélangé une technique euh, qu'on a appris pendant le partenaire le programme partenaire avec Microsoft et une technique qu'on connaissait déjà quand on crée des applications mobiles, euh, qui s'appelait le Design Sprint de Google Venture. On a mélangé les deux et on a créé un, une sorte de système de, de génération d'idées euh, qui nous permet de mieux, euh, euh, de mieux sélectionner et créer et, et euh, identifier euh, des solutions à des problèmes. À travers euh, des sessions de brainstorming Ok. <laughs> et euh, ensuite, je passerai à expliquer comment on a process, notre processus euh, de user experience, euh, d'expérience utilisateur, pour euh, justement créer à partir de ces idées-là. Donc, je vais aller très vite sur le Envisioning and Design Sprint. Euh, ça, c'est un process qui est assez classique et que vous pourrez retrouver euh, et assez bien documenté. Mais si vous avez besoin de plus d'infos, je serai dispo après pour vous expliquer. C'est quelque chose qui dure à peu près euh, 4 jours. Et chaque jour, on a une étape un peu plus élevée pour sélectionner et générer des nouvelles idées et des nouvelles décisions de ce qu'on veut créer. Quand on arrive à la fin de ce qu'on veut créer, euh, c'est là où les choses deviennent intéressantes et diffèrent vraiment des autres processus euh, que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. C'est qu'on va créer des prototypes. Avant, on crée des prototypes papier. Donc, quand on crée une interface 2D, on crée un prototype papier, on dessine, on écrit dessus. Et euh, on fait les dessins, on les montre à l'utilisateur en séquence, on essaie d'avoir un feedback. Euh, quand on parle de travail en réalité mixte, on ne peut plus faire ça. On est obligé, à ce moment-là, de faire quelque chose d'un peu plus spatial. Donc, notre version de papier euh, prototype ressemble à ça. Euh, on crée des versions papier, mais dans un espace 3D. Euh, bon, il y, y a des défauts techniques. C'est les humains, on fait des petites erreurs. Mais en général, c'est relativement efficace. Pourquoi on fait ça Donc, on appelle ça acting out. Euh, donc, en fait, on joue l'expérience utilisateur, on joue le flow que l'on veut créer, et euh, ça nous permet donc de comprendre l'espace, euh, où est-ce qu'on place ces objets, quelles sont les distances, à quelle vitesse on tourne dans un mouvement, euh, est-ce que l'attention de l'utilisateur est au bon endroit, parce que faut bien faire attention où l'utilisateur regarde. Euh, les, les outils comme les hololens par exemple, on découvre très vite que si vous faites apparaître quelque chose sur le coin de la vision de l'utilisateur, il ne le verra pas. Il faut vraiment lui attirer l'attention dans une direction pour que euh, son association soit visible. Donc, le acting out est un processus qui permet dans l'expérience utilisateur de vraiment comprendre euh, comment on va concevoir cette interface qui apparaît dans notre monde physique. Et donc, euh, après qu'on ait créé ces prototypes en, prototypes en papier, on va ensuite passer au prototype en réalité virtuelle. Donc, ça, en fait, pour créer de la réalité augmentée, la réalité mixte avec les hololens, on va en fait créer, euh, on va aussi utiliser euh, la réalité virtuelle pour euh, euh, pour nos tests utilisateurs. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, dans la réalité virtuelle, on a euh, des outils de création 3D très très pratiques. Euh, par exemple, Teal Brush. Euh, -ce que... Non, je n'ai pas de vidéo de Teal Brush. Euh, donc, euh, Teal Brush est un outil qui permet de dessiner euh, dans la réalité virtuelle. Et c'est quelque chose de très accessible et très simple. Un designer qui était habitué à faire de la 2D peut très vite rentrer dans Teal Brush et commencer à concevoir une interface dans une, une unité tridimensionnelle sans avoir à apprendre à utiliser un outil de, de, comme Maya ou, de, ou Blender pour créer la, la 3D. Donc ça c'est un exemple euh, d'une interface utilisateur qu'on a créée pour euh, en Tilt Brush. Donc la série de vidéos que vous allez voir là, comme la première que vous avez vue, celle-là et les suivantes, les deux suivantes sont des vidéos qu'on a qu'on a enregistrées pendant qu'on faisait le projet BIM pour le Hyperloop Transportation Technology, donc c'est un outil de collaboration. Donc ça, c'est que des outils et des essais qu'on faisait. Donc là, par exemple, euh okay. voilà, ah oui, donc ça c'était un outil, de, une interface. Donc après on peut mettre l'utilisateur dans cette, de ce monde virtuel et tester comment ça se passe pour eux et comment ils interagissent dans l'expérience utilisateur. Donc on peut voir ce qui marche, on peut voir où est-ce qu'ils regardent, on peut analyser un certain nombre de choses. Un autre outil qu'on a commencé à utiliser beaucoup plus maintenant, c'est Gravity Sketch au lieu de Tealbrush. Brush. Il est un peu plus difficile d'accès que Tealbrush, Brush, qu'il faut connaître un petit peu, mais par contre on peut créer des, des, des concepts 3D. Beaucoup plus propre, euh, beaucoup plus précis et beaucoup plus rapidement. Euh, donc, ça c'était pour les tests utilisateurs en réalité virtuelle. Donc, on utilise la réalité virtuelle pour créer ces interfaces. Ensuite, aussi, comme on travaille beaucoup avec des, des designers et des concepteurs qui viennent de, souvent de la 2D, euh, ils utilisent leurs outils 2D et on a mis ensemble un système pour leur permettre de euh, créer dans la 2D et de la mettre dans un espace 3D. Donc par exemple, vous voyez ici, ces éléments sont en fait juste des images plates qu'on a mis dans, disposées en 3D dans un espace spatial pour pouvoir euh, ensuite créer cette interface utilisateur. L'avantage, c'est qu'on peut créer des, euh, à ce moment-là une interface utilisateur un peu plus précise, avec beaucoup plus d'éléments que ce qu'on pouvait faire dans Tilbrosh, euh, où on peut écrire, on peut mettre des petits logos, des dessins et être beaucoup plus précis sur ce qu'on va faire, un peu plus euh, haute définition, on va dire et ensuite avancer dans la, dans la présentation euh, de ce contenu. Donc maintenant, on a un certain nombre de... On, en général, quand on arrive à ce niveau-là, dans notre processus, on a une bonne compréhension de l'espace. On sait à peu près ce qu'on veut dessiner, ce qu'on veut prévoir dans l'interface utilisateur, dans l'espace. Par contre, on n'a aucune notion d'interactivité. Donc pour créer l'interactivité, euh, pour commencer à définir l'interactivité, à ce moment-là, on va prendre nos prototypes qu'on a créés dans la réalité virtuelle et euh, qu'on a créés dans euh, d'autres systèmes et on va les mettre dans Unity et créer des toutes petites interactions très simples pour commencer à identifier un, un flow d'utilisation. Donc ça c'est un exemple euh, d'interface d'utilisation qu'on a importé euh, dans les HoloLens et qu'on a mélangé avec nos prototypes en papier. Euh, donc, entre le papier, vous pouvez voir, il y a des éléments à l'intérieur ici qui viennent de Tealbrush. On a juste dessiné une petite interface euh, et on lui a donné une petite interaction sur une commande vocale euh, pour pouvoir changer l'interface. Donc, on peut tester l'utilisateur et voir si ça marche. Euh, en fait, ça c'était un très bon exemple parce qu'en fait, ça ne marchait pas du tout ce qu'on avait fait là. Et l'utilisateur ne comprenait pas et c'était visuellement pas du tout adapté. Ça marchait parce que c'était en bas et tout ça. Mais on n'aurait pas pu le découvrir si on n'avait pas testé. Dans l'espace le, et dans un système spatial avec des HoloLens sur la tête. Donc, la dernière étape maintenant, c'est euh, les flots d'utilisateurs. Donc, euh, quand on a ces appétit d'interaction, il faut aussi créer et définir comment l'utilisateur va bouger dans l'expérience et euh, euh, s'engager sur les différentes étapes dans l'expérience. Et ça, on a créé, donc, on a créé cette expérience, la réalité, la Easter Hunt, et je vais en parler un peu plus en détail. Et là, c'était très compliqué, parce que ça, c'était pour nous une, une expérience euh, ludique. Donc on avait une histoire, et il fallait qu'on captive l'attention des utilisateurs pendant trois minutes, et qu'on trouve un flow qui marche très bien pour eux, pour les engager dans, le, dans, cette, euh, dans cette expérience et qu'ils soient captivés. Donc la Easter Egg, c'est un truc qu'on a fait en partenaire avec Microsoft à Via relay et on a créé un set, et ensuite, on avait un mois pour le faire. Donc, on a dû tout faire en même temps, et on n'avait pas, au début, les, euh, on n'a pas pu attendre pour que le design des créatures et des éléments soit fait. Donc, mais on devait, en même temps, tester le flot d'utilisateurs, créer l'histoire dans laquelle on allait les porter. Donc, on a mis en place tout un système où on avait créé des créatures euh, très simples, euh, et on les a animées de manière très basique. Et ensuite, on les a mis dans un flow. Donc, vous voyez là, les trois différents scénarios qu'on avait pris sur, cette, sur une scène où on voulait que l'utilisateur aille par étape. Donc tout ça, en fait, quand vous avez les HoloLens et vous, ceux qui travaillent dans la VR connaissent ça très bien, il faut tout le temps, euh, dans, ces, dans ces systèmes où les utilisateurs peuvent regarder où ils veulent et ils peuvent voir dans tous les sens, si on veut raconter une histoire, on doit les tenir et tenir leur attention et tenir leur champ visuel en, le plus qu'on peut. Comme ça, ils peuvent suivre l'histoire et être engagés dedans. Donc voilà, là, on avait fait différents tests. Et euh, oops, oui, je suis un peu vite. On a fait différents tests et on a fait aller les utilisateurs dans tous ces scénarios-là. Euh, dans cette vidéo-là, ça c'est pour vous montrer tout le processus qu'on a fait pour la Easter Egg La première session, c'est ce que vous voyez, on avait fait l'envisioning, le design sprint. Donc c'est là où on fait tous les post-it, les papiers, les discussions. Ça c'est là où on faisait les, les scénarios de tests utilisateurs. Donc on était au bureau. On met les Hololens sur les gens et ils voient un, un monde. Euh, euh, et là, on n'a pas le set, mais ils voient tous les éléments qu'on veut qu'ils voient. Et on teste où est-ce qu'ils vont et où est-ce qu'ils marchent et on regarde où est-ce qu'ils regardent et comme ça, on peut valider que ça marche ou que ça marche pas. Ça, c'est la construction du set de la Easter Agant, euh, qui a été fait au niveau du euh, tout en, en, en forme. On verra un peu plus les détails. Mais je vais revenir au test utilisateur euh, qu'on faisait. Euh, à ce niveau-là. Donc là, même quand le set n'était pas fini, euh, déjà, on, prenait, on continuait nos tests d'utilisateurs, on mettait les utilisateurs dans nos scénarios pour valider que tout ce qu'on avait fait dans notre histoire, que tout ce qu'ils voyaient marchait. C'est très facile avec des outils comme les HoloLens, quand vous faites une interface utilisateur, que quelque chose soit raté, et que l'utilisateur ne voit pas ce qu'il est supposé voir ou qu'il ne comprenne pas un enchaînement euh, de commandes euh, que vous voulez qu'il euh, qu réussisse et qu'il euh, fasse fonctionner. Donc voilà, là, c'est un autre test. Euh, que vous voyez, oui, là, d'utilisateurs. Et euh, à ce moment-là, là, là ils voient quelque chose de très... C'est que des prototypes très basiques encore, on n'avait pas encore les éléments finaux. Euh, mais au moins, on peut voir où est-ce qu'ils regardent, on savait ce qui marchait. Donc, on en a fait des dizaines et des dizaines. Euh, on en faisait pratiquement euh, un tous les deux jours. Donc, dans notre processus, on fait tous les deux jours un test utilisateur. Et le lendemain, on refait un nouveau test à partir de ce qu'on a appris pour que le jour d'après, on puisse valider que ce qu'on a changé fonctionne mieux. Donc on avait ce système de cycle euh, très rapide euh, d'amélioration euh, dans la création du système. Et là, maintenant, je vais vous montrer euh, le produit fini euh, des utilisateurs pour la Easter Eggant. Euh, donc... Euh Oups. Ah voilà. <laughs> euh, donc ça c'est le produit fini. Euh, C'était sur le set. On préparait les utilisateurs. On leur mettait les hololens le sur la tête et on leur expliquait un peu les basiques, le... la... la truc de base. Et ensuite ils euh, il rentraient dans les expériences. Et quand ils rentrent dans l'expérience, euh, dans le set qui est complètement design, les éléments euh, prennent vie. Et euh, donc là vous avez leur objectif c'est de trouver 5 e euh, et de les ouvrir. Donc il y avait aussi plein d'autres éléments à l'intérieur. Euh, qu'on avait mis qui apparaissaient en différentes séquences euh, pour que les utilisateurs soient captivés tout le long de cette expérience. Euh, donc ça, c'était une première. Euh, en général, les HoloLens, comme vous voyez là, ne sont pas utilisés pour des appareils ludiques. Elles sont plus souvent utilisées dans des endroits euh, au travail, euh, parce que c'est plus à quoi elles sont adaptées, on va dire. Mais euh, là, on avait réussi à prouver... On pouvait créer euh, avec des, des techniques de, de storytelling, des techniques de, euh, pour raconter des histoires, euh, quelque chose quand même d'entertainment. Donc c'était un gros succès, euh, c'était l'attraction la plus euh, vue du, euh, du show euh, avec des queues de trois heures. Les gens étaient très patients, mais ils avaient très envie de la voir et un niveau de satisfaction en sortant qui était très élevé. On avait plus de 80% des utilisateurs qui ont euh, mis une, euh, une note au-dessus de, au de 8 sur l'expérience. Le, sur le, euh, en, résumé, en résumé, je vais, euh, je vais signe, euh, finir les deux derniers slides sur euh, l'importance du test utilisateur. Maintenant, on est dans un nouveau domaine quand on va créer des interfaces euh, pour la réalité mixte qui ne sont pas. Euh, They are uncharted. Euh, on n'y est jamais allé encore. Et, euh, et on a appris beaucoup de choses, et ça fait 30 ans qu'on fait de l'interface utilisateur en 2D. Et on est très bon à ça. Et maintenant, quand on veut créer un nouveau produit, c'est très facile. Les principes de base et les règles sont déjà bien définis. Euh, quand on veut faire dans la réalité mixte, euh, le langage n'existe pas encore. Euh, beaucoup de gens aujourd'hui font des choses relativement simples ils vont vous mettre des panneaux plats avec des interfaces tout 2D dans un monde 3D. Vous allez avoir plein de boutons à appuyer, à presser, pour pouvoir faire fonctionner l'application. Ces solutions, on n'y croit pas. On pense qu'on peut, en intégrant mieux notre physicalité et notre monde physique, nos gestures et l'intégration, créer des interfaces utilisateurs qui sont extrêmement naturelles et qui marchent beaucoup mieux. Donc, euh, voici les outils qu'on a utilisés euh, dans, les, dans, le, euh, dans notre process en ce moment. Et euh, ça, c'est les points clés euh, à retenir euh, sur, euh, sur créer des interfaces utilisateurs. Et il y a un certain nombre de langages qui commencent à se faire. Donc, tout doucement, on commence à avoir des principes et on commence à écrire des nouveaux euh, concepts pour créer ces interfaces utilisateurs. Mais la clé aujourd'hui, on a encore tout à découvrir sur beaucoup de choses. Donc c'est de tester, 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 tester et euh, tester autant que vous pouvez au niveau euh, des utilisateurs. Parce que même maintenant qu'on a appris beaucoup dans les trois dernières années où on a créé toutes ces interfaces et toutes ces expériences, on se rend compte qu'on a encore à apprendre beaucoup et que même quand on croit que quelque chose va marcher, euh, si on ne le met pas devant un utilisateur, on rate très souvent quelque chose et ils vont, ils vont tomber dans le panneau. Et euh, pour les 30 dernières secondes pour finir. Hum. Je vais finir avec l'histoire des boutons. On avait un principe quand on crée nos, euh, quand on crée nos, euh, nos interfaces utilisateurs il ne doit pas y avoir de boutons. Pour nous, les boutons, ça fait partie des interfaces 2D. Donc on redéfinit et on reconceptualise tout sans boutons. Si on est sans obligé de mettre un bouton, c'est qu'on n'a pas réfléchi assez à une meilleure solution de gesture ou de, de gestion, de manipulation de gesture, ou qu'on n'a pas assez euh, identifié une solution plus physique ou plus approchée de, de l'humain. Euh, il y avait un, un jour quelqu'un est venu me voir et il m'expliquait que sa grand-mère, euh, quand elle était petite, euh, c'était avant l'électricité, et il me disait qu'elle n'avait pas le concept de bouton. Elle savait pas ce que c'était qu'un bouton. On, à l'époque, quand l'électricité n'existait pas, on n'avait pas de switch pour allumer. Euh, les choses n'étaient pas électriques, donc tout était physique et contact. Et dans les, depuis 100, 100 ans, probablement maintenant un peu plus, 150 ans, on a commencé à avoir des boutons partout. Et on n'arrête pas de cliquer sur des boutons. Et ma prédiction, c'est que dans probablement 10 ans, peut-être même peut moins, euh, tous ces boutons vont de nouveau disparaître. Et on va se retrouver dans un monde où on va être complètement mélangé entre le virtuel et le physique, mais notre physique va interagir avec le monde virtuel aussi naturellement qu'on interagit aujourd'hui avec le monde physique. Voilà.